Morgen, allez, Iden, les suisses aujourd'hui, le Lunishmat Avramon Chai Ben Israël Mefani, David Ben Fortuna Mazal Ritna, et Dora Batester, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Kluvot, Pek Dalet, Mishnah Gimel Agioret, Shinit Gaira, Bita, Imma, Vezinta, un réseau Bechenek, en la lopetach beta, un velo me un sea, c'est là. הייתה הורתה שלא בקדושה ולדעת בקדושה, הרי זו בסקילה. אין לה לא פתח בית האב ולא מעשה לה. הייתה הורתה ולדעת בקדושה, הרי היא כבת ישראל לכל דבר. יש לה אב ואין לה פתח בית האב. יש לה פתח בית האב ואין לה אב, הרי זו בסקילה. לא נאמר פתח בית האביה, אלא למצווה. On compare dans notre Mishnah, trois. D'inim, trois halachot que la halacha a précisé pour une femme néhara classique qui a été violée ou consentante, et on va les comparer en rapport avec trois étapes chez une convertie. Voilà ce qui va se passer. D'abord, je vous introduis les trois halachot. Tout d'abord, lorsqu'il y a une jeune fille, Bat Israël, qui a été violée, comme on expliquait, néhara, il faudra l'indemniser, lui donner les 212 qui s'appellent, entre parenthèses, les 100 selah. 100 selah. C'est des pièces qui avaient de l'époque, la Mishnah va les appeler mea sela. D'accord? Ça, c'est lorsqu'elle a été violée de force ou même séduite, comme on a expliqué. Selon le cas, des fois, c'est le père qui est bénéficiaire, s'il n'y a pas de père, c'est elle qui reçoit cet argent. Il y a maintenant, si elle était consentante, et qu'elle était une jeune fille fiancée consentante, alors elle est chayevet skila. Alors qu'une femme, en général, qui fait Echet Ish, un adultère, elle est chayevet renek, d'être égorgée à la strangulation. Là, pour celle qui est jeune fille, Betula, qui va tromper son fiancé en fait, eh bien, son chiyuv mita, cette fois-ci, c'est un chiyuv skila, il faut la lapider, c'est plus grave comme mort. Et en plus de ça, il faut la lapider, et bepetach betavia, on va prendre la maison de son père, et là-bas on va la lapider. C'est une manière d'humilier le père aussi et de lui dire regarde, regarde les pousses que tu as fait pousser de ta maison. Si tu as une fille qui est sortie dévergondée comme ça, si elle a une fille qui est sortie dévergondée comme ça, c'est qu'elle a une part de faute, il faut dans ce cas-là, on fait ça chez lui, Petach Betavia. Donc c'est les trois halachot qu'on va comparer. De payer le knas quand c'était en viol, le chiouv mita de ce qu'il a à la place de Chenek, la lapidation à la place de la strangulation. Et en plus de ça, de la tuer, Bepetach Betavia, à la porte d'entrée de la maison de son père, et pas au Bet Din. D'accord? C'est les trois choses qu'on va comparer. Maintenant, trois étapes dans la Gioret. La Gioret a converti. Elle peut être convertie quand elle était bébé, mais déjà née. C'est une chose. Il y a, à part ça, une convertie que ses parents étaient en cours de conversion. Elle était déjà fécondée, mais elle naît alors qu'elle est Bat Israël. Elle naît Bé Israël, mais elle n'a pas été fécondée Bé Israël. Elle était fécondée quand c'était encore avec un père qui était goy et une mère qui était goy aussi. D'accord? Et il y a une troisième étape, c'est qu'elle a des parents convertis, mais qu'elle a été fécondée une fois qu'elle était déjà Bé Israël. Et là, ça devient une Bat Israël, l'école d'Avar. Pour ces trois halachot, on va voir que les halachot vont diminuer. Celle qui est. Je l'ai fait tout de suite à l'oral, comme ça va être très simple. On a parlé de trois halachot. On a dit il y a payé le Knas, des 212. Sans cela, il y a à part ça le chiouf skila si elle est la mort particulière pour la jeune fille qui a trompé son fiancé, alors qu'elle était betula, de la tuer beskila, et de faire la skila bepetach betavia. Pour la guillorette qui a été convertie après la naissance, elle aura rien de tout ça. Elle sera juste bechenek. Si toutefois elle est consentante pendant qu'elle a trompé son jeune fiancé, et bien il faudra lui faire un chenek, la strangulation uniquement. Parce que toute la paracha particulière, qui a stan nevala be Israël, elle a fait quelque chose de honteux, de comment dire, abaissant, c'est le mot, j'ai pas le mot, nevala. Ouais, c'est pas tromperie, j'ai pas le. Elle a fait quelque chose d'indigne dans le peuple d'Israël. Et donc, forcément, une guillorette, elle n'est pas complètement. Alors, c'est selon le cas, elle n'est pas complètement be Israël. Et des fois elle n'est pas du tout, des fois elle est à moitié, des fois elle est complètement. Et c'est ce que la Mishnah va me dire. Donc, si elle a été fiancée
Si elle a été convertie après sa naissance, donc finalement c'est une convertie comme n'importe quelle convertie. Dans ce cas-là, elle n'est plus Béi Israël dans son naissance. Dans ce cas-là, il n'y aura plus les 200 oz, il n'y aura plus le Chiyuv Skila, si elle était jeune fille. Et en plus de ça, il n'y aura même pas non plus le Chiyuv de la tuer à Petar Petavia, puisqu'elle n'a même pas de père. Son père, c'est pas considéré comme son père, halakhiquement. Les convertis qui se convertissent en famille, et selon la chastrique, ils n'ont pas de rapport de liens familiaux entre le fils n'est pas le fils du père. En théorie, ils ont même le droit de se marier ensemble. Ils sont Keketan Shenolad, comme si qu'il y a un petit qui vient de naître. Ils n'ont plus de lien parenté entre eux. Donc, selon ce principe, son père, c'est plus son père, donc il y a plus de. On ne va plus ni la lapider, ni même la lapider à la maison de son père, à plus forte raison. Ça, c'est la première partie, la première phrase, la déclaration de Mishnah. On fait ça, on l'a fait d'abord dans les mots. Agioret Shinidaira Bitaima. S'il y avait une convertie, que sa fille s'est convertie avec elle, alors qu'elle était déjà née, un bébé. Les parents ils peuvent des fois décider pour la conversion, c'est une gemara, donc tout vote, doivent être que. Je me trompe un peu, plutôt, même, je pense. Zain Chet, je pense. Ouais, ou après, plutôt Yud. Je sais plus. Donc tout vote. Et en tout cas, il y a une gemara concrètement, que la mère peut décider aussi que c'est bien pour sa vie de se convertir. Elle se convertit, quand elle atteint après sa majorité, on lui demande est-ce qu'elle est d'accord de valider. Elle valide. Si c'est le cas, dans ce cas-là, Vezinta, après quand elle était fiancée, jeune fille, Zinta, elle a fait un adultère, eh bien, un réseau Bechenek, on la tuera avec Chenek, avec strangulation, et pas avec ce qu'il a. En la lopetach betaav velo measela. Ni on la tue à l'entrée de la maison de son père, et ni on lui donne les measela, ce qui sont les 212, parce qu'elle n'était pas Béisraël, les 212, si elle était Béonès. Par contre, si elle était Haïta Horata Shelo Bigdusha Veledata Bigdusha, je traduis, elle a été fécondée quand elle n'était pas encore dans la Gdusha, mais elle est née ensuite dans la Gdusha, c'est-à-dire elle était fécondée quand elle n'était pas encore Israël, ses parents Goy ont eu le rapport pour la féconder, et pendant qu'elle était dans le ventre de sa mère, ils sont partis se convertir. Dans ce cas-là, ça s'appelle qu'elle était fécondée Shelo Bigdusha, et elle est née ensuite Bigdusha. Alors le statut, il est que quoi? Réseau Biskila, si toutefois elle fait ensuite adultère quand elle est jeune fille, il faudra lui faire la Skila. Il y a eu un pasouk qui a introduit qu'il faut lui donner une halakha plus stricte. Même si elle n'a pas été complètement Béisraël, elle n'a pas fait, quelque chose d'indigne Béisraël, parce qu'elle n'était pas, elle n'a pas été fécondée en Israël, dans le peuple d'Israël. Elle était fécondée quand c'était une Goya. Encore. Donc du coup, à cause de cette situation intermédiaire, alors on la tuera avec Skila, c'est vrai. Mais par contre, Ven la Peta, l'Opetar Betaav, elle n'a pas, on ne fera pas la Skila depuis la maison de son père, parce que son père, c'est pas son père, même si biologiquement c'est son père, mais c'est pas son père d'un point de vue Alaha. Et à part ça, Velon Measela, elle n'aura pas non plus les Measela, les pièces des 212, si toutefois elle a été violée pendant qu'elle était jeune fille et pas fiancée. Ouais. Il n'y aura pas de Knas à lui payer. Par contre, si c'était Haïta Horata Veledata Bigdusha, elle était fécondée et née dans la Gdusha, parce que ses parents c'était deux convertis, c'est vrai. Mais depuis, ils en ont fait des belles choses, les parents, c'est devenu des grands tzadikim, mais ils ont même eu une fille. Alors cette fille-là, c'est une Bat Israël, l'école d'Avar, elle est considérée comme une Bat Israël complètement. Et dans ce cas-là, Areik et Bat Israël, l'école d'Avar, elle est considérée comme une Bat Israël pour toutes les halakhot. Que donc, si elle est violée, on lui donnera les 212. Si elle était consentante alors qu'elle était fiancée, on la tuera, Beskila, et on fera la Skila à la maison de son père. Ok? Dernière partie de la Mishnah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec une Nehara, une jeune fille, que Yesh la Av, Ve'en la Petach Beta Av. Yesh la Petach Beta Av, Ve'en la Av. Soit on parle maintenant d'une jeune fille qui était fiancée et qui a trompé son fiancé. Elle est partie avec quelqu'un d'autre. Donc son devoir, elle est de le faire Skila à la maison de son père. Qu'est-ce qui se passe si elle a un père, mais que le père n'a pas de maison? Ça arrive, c'est un SDF, il squatte chez la grand-mère, elle n'a pas de maison. Ou encore, Yesh la Petach Betav, elle a la maison de son père, mais elle n'a plus de père, la pauvre. Elle a été, d'accord, elle a plus de... Alors, où on lui fera la Skila? Où on la lapidera? La Mishnah me dit, un réseau Biskila, il faudra lui faire la Skila. On la lapidera. Mais par contre, mais on ne la fera pas dans la maison de son père, parce qu'il n'y a plus de maison de son père. Soit parce qu'il n'y a pas de maison, le père, soit parce qu'il n'y a pas de père. Donc c'est une maison sans père. D'accord? Et la Mishnah conclut en me disant L'onemar petach bet avia, elle a la misva. C'est pas grave si tu ne peux pas la tuer dans la maison de ton père, parce qu'il n'y a pas de père. Elle est quand même chayavet ce qu'il a. Il faudra quand même faire ce qu'il a. Ah, mais la Torah m'a dit que tu lui feras la ce qu'il a, que la lapidera à la maison de son père.
la maison de son père. S'il y a, et s'il n'y a pas, ben tu la lapideras sans la maison de son père. Ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Veselah.